Donc, comme vous savez très bien, c'était un peu marqué dans l'argumentaire du colloque, dans un entretien des années vers la fin de la vie de Canguilhem. Canguilhem avait dit que finalement, il considérait son œuvre comme rien d'autre que la trace de son métier. Vous savez très bien que Canguilhem était capable de condenser dans une petite expression plusieurs informations dans l'idée de trace de son travail avait condensé un peu toute son idée de la philosophie avec son rapport avec les autres sciences, avec son rapport avec la pratique, son engagement dans la société. Donc, plus ou moins 20 ans après, ces traces ont été, une partie de ces traces, parce que comme vous savez très bien, l'archive, c'est quelque chose qu'on constituait toujours partiel et partiel. Donc, ces traces ont été déposés dans la bibliothèque du CAFES à l'école normale. Et donc, petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, l'œuvre de Canguilhem était beaucoup plus ample de ce qu'on pouvait penser. Disons, la trace qu'il avait laissée dans la philosophie et dans l'histoire des sciences était beaucoup plus importante et plus riche. Et puis aussi une partie de ces traces, la partie qui a été publiée, disons la partie émergée de l'iceberg, a été recueillie pendant les derniers 5-10 ans dans deux volumes, dont d'autres sont à paraître, qui ont été publiés chez Vrin. Et donc le dernier qui est publié est finalement le quatrième tome des œuvres complètes. Il faudrait voir finalement qu'est-ce que ça veut dire complet. C'est des œuvres complètes, mais qui ne sont pas complètes justement, parce que ce sont une partie de la trace du métier de Canguilhem. Donc, premier et quatrième volume, il manque encore deux, et puis donc les autres sont à venir. Tout cela pour dire que finalement, petit à petit, on se rend compte que la figure de Canguilhem a été beaucoup plus importante sous plusieurs niveaux. Non seulement parce qu'il a été directeur de thèse de plusieurs figures importantes du siècle philosophique et français, non seulement pour son livre, sa thèse de médecine de 43, Le normal et le pathologique, mais parce qu'il avait joué des rôles très importants dans des institutions comme inspecteur général, parce qu'il avait participé à la résistance, comme élève de Canguilhem. Donc c'est quand même une figure qui a plusieurs facettes. Et donc cette journée voudrait, à 20 ans de la mort de Canguilhem, non pas avoir un ton apologétique, non plus, disons, invité à des usages décomplexés des concepts de Canguilhem, mais voudrait plus ou moins revenir sur cette trajectoire assez complexe, avec plusieurs facettes de Canguilhem, et en essayant de comprendre finalement la manière dans laquelle il a essayé d'articuler le rapport entre sciences de la vie, sciences sociales, sciences humaines, dans un geste, dans une pratique, et une pratique quand même philosophique dont Canguilhem se réclame. Donc, son métier était un métier au bout du compte, de philosophe. Pour venir au côté pratique, je voudrais un peu expliquer comment j'avais conçu cette journée. Évidemment, quand on fait les programmes, il y a toujours un côté artificiel. Mais donc, mon idée, c'était un peu de faire un itinéraire allant au rebours. Donc, comme vous voyez très bien, la première table ronde porte sur histoire des sciences et épistémologie. Donc, c'était plutôt dans ma tête l'image de Canguilhem qu'on avait jusqu'aux années 80, entre les années 60 et les années 80. Donc, en tant que successeur de Gaston Bachelard à l'Institut d'histoire, de sciences et techniques, de philosophie des sciences et des techniques. La deuxième table ronde, c'est plutôt l'image de Canguilhem dont on avait pendant les années 40 et 50, donc comme moteur de la connaissance de la vie.
Ensuite, cet après-midi, on a une table ronde dont je donnais le titre entre médecine et philosophie. Donc, se porterait plutôt sur la thèse de médecine et l'itinéraire de Canguilhem pendant les années 30. Donc, pourquoi ce philosophe élève d'Alain, qui est enseigné dans des lycées de Provence, décide de faire une thèse de médecine, décide de faire des études de médecine. Et puis finalement, ce soir, une table ronde dont voilà, le titre, je donne Pédagogie et engagement politique, qui porte sur l'engagement de Canguilhem pendant les années 30 et 40, la résistance, mais pas seulement, donc aussi l'entre-deux-guerres. Il y avait un colloque, je pense, il y a 5 ans, ou 4 ans, à Paris 8, je me rappelle bien, qui s'intitulait un entre-deux-guerres philosophiques. Donc, le rôle de Canguilhem en ce moment, mais aussi, c'est un peu la clôture du colloque dans lequel on essaiera de voir de quelle manière on pourrait comprendre l'itinéraire de Canguilhem avec d'un point de vue un peu contextualiste et sociologique. Donc c'est un peu ça l'idée. Évidemment, c'est un côté, comme je vous disais, artificiel, mais l'idée, c'est voilà, d'aller un peu des images de Canguilhem qu'on avait pendant les années 80 jusqu'à ce qui s'était passé pendant les années 20. Je voudrais laisser la parole à ce point-ci à mon ami Luca qui enseigne à Paris 8, qui a le malheur d'être désigné comme foucauldien. Il a écrit un livre sur Foucault, fait sa thèse sur Foucault, Condelance. Et qui va être le responsable et absolu de cette table ronde. Merci, merci Giuseppe. Tu m'as demandé d'introduire ce panel en disant un peu, en expliquant un peu l'enjeu de cette table ronde sur l'histoire des sciences et l'épistémologie. Alors, dans les tomes récemment publiés, deux œuvres, il y a en effet une conférence que Canguilhem fait qui s'appelle Le rôle de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences, l'établissement des faits fondamentaux de la physique en 1949. Et là, j'ai trouvé cette citation qui est vraiment pour moi très très canguilhémienne, hein, du moment que nous parlons des sciences, dit Canguilhem, c'est-à-dire des connaissances vraies, nous sommes dans l'ordre de cette opération mentale qui seule peut être dite vraie ou fausse, c'est-à-dire l'établissement dans les jugements d'un rapport entre concepts. Alors, toute une série de questions qui sont condensées dans cette phrase. Déjà, l'idée que la vérité dans la modernité est scientifique, mais par ce même processus, la science est devenue intégralement théorie. Et en effet, un peu plus loin, Canguilhem dit inutile de perdre son temps à réfuter l'empirisme, car il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait qui serait saisi par une constatation sans jugement. Les faits, ce n'est pas dans ce dont la science est faite, mais ce que la science fait en se faisant. Et donc, si toute la science est théorie, à composition rationnelle, c'est-à-dire déductive des concepts, il y a pourtant dans la science des moments de stabilité, des moments de crise. Il y a une naissance, une vie et une mort des théories. Donc, est-ce qu'on pourrait, dans la première question, est-ce qu'on pourrait parler de l'histoire des sciences canguilhémiennes ou de l'épistémologie historique, justement comme cette histoire des moments de stabilité, des crises, cette histoire de naissance et mort des théories. On sait combien pour Canguilhem c'était absolument important de faire une description, enfin, de créer une connexion entre l'épistémologie et l'histoire, car l'histoire elle-même, car la science elle-même, ce n'est qu'un discours normé par ses ratifications critiques. Si ce discours en histoire dont l'historien croit reconstituer le cours, écrit Canguilhem dans sa conférence sur la notion d'objet dans l'histoire des sciences, c'est parce que cette histoire, cette science elle-même, elle est une histoire dont l'épistémologue doit réactiver les sens. Alors, quelle forme prend cette épistémologie historique canguilhémienne? Je pense, dans un premier lieu, il s'agit quelque part de penser les modalités par lesquels les concepts eux-mêmes se définissent à partir de contextes expérimentaux, matériels, techniques, culturels, où ces concepts sont opératifs. Et puis, comment agit l'historien lui-même? Eh bien, la célèbre formule de Canguilhem, c'est qu'il faut substituer à l'histoire des sciences la science et leur histoire. C'est-à-dire qu'au lieu de décrire le chemin de la science vers la vérité,
quelque part, l'épistémologue suit un tout autre parcours, hein. Il mime la pratique du scientifique et il tente de restituer les gestes producteurs de connaissances. Cette action de mimer la pratique des scientifiques, ce n'est pas pour fonder la vérité de la science, qui se fonde d'elle-même, hein, mais c'est pour essayer justement de se rapprocher de cette construction de l'objet scientifique par l'historien, par les scientifiques eux-mêmes. Alors, un ensemble de questions qui se concentrent dans cette séance, dans ce panel. Déjà, la question du rapport entre la philosophie et la science, rapport organique, parce que finalement, faire l'histoire des sciences, c'est faire l'histoire de la vérité, et donc rapport entre l'histoire des sciences et l'histoire de la vérité elle-même. Deuxième question, question de l'inclusion de King William lui-même dans une tradition, qui serait une tradition de l'épistémologie française, qui lui-même évoque quelques lignes plus loin, Pierre Duhem, Gaston Milhaud, Édouard Leroy, Henri Poincaré, Léon Brunswick et Georges Bachelard. Et on sait combien King William s'est inscrit dans cette tradition. Est-ce qu'on peut parler d'une tradition d'épistémologie historique française et comment? Est-ce qu'on doit parler d'histoire épistémologique ou d'épistémologie historique? Et puis, troisième question, la question du rapport entre l'histoire des sciences chez King William et son volet plus philosophique, s'il est vrai que King William, encore avant d'être un historien des sciences, était un philosophe de la biologie et plutôt même un philosophe de la médecine. Alors, pour débattre sur toutes ces questions, je vais laisser la parole aux participants, qui sont Jean-François Brandstein, donc professeur de philosophie à l'Université de Paris 1 Panthéon. Il s'occupe des philosophies françaises contemporaines, d'histoire et philosophie des sciences. Il a écrit notamment King William, il a édité King William, Histoire des sciences et politique du vivant, et puis il a écrit récemment un livre sous Comte, La philosophie et la médecine d'Auguste Comte, Vierge mère, vache folle et mort vivant. Et en plus, il est auteur d'un célèbre article sur le style français en épistémologie historique. Christina Chimisso est professeure de philosophie à la Open University. Elle a travaillé à la fois sur la tradition de l'épistémologie et de l'histoire des sciences en France, notamment sur Bachelard, Metzger et King William, et sur l'histoire de la notion de mentalité. À la fin, philosophie, en psychologie et en histoire, elle a publié un livre, Writing the History of the Mind, Philosophy and Science in France. Et puis, Pierre-Olivier Métaux est professeur adjoint à l'Université Laval, au Québec, si je ne me trompe pas. Oui. Il s'occupe des philosophies, histoire des sciences biologiques et médicales. Ses travaux historiques concernent le rapport entre la théorie de l'évolution, la médecine, la bactériologie au 19e et 20e siècle. Mais ses travaux philosophiques portent sous le rôle de l'explication évolutive et de l'évolution des modèles des sciences médicales et d'épidémiologie. Dans ce contexte, il s'est intéressé à la méthodologie, à l'histoire des concepts, et il a publié notamment, parmi ses nombreux articles, On the Genealogy of Concepts and Experimental Practices, Rethinking George King William, Historical Epistemology. Donc je laisse la parole à Jean-François Brandstein. Vous avez 20 minutes, plus ou moins chacun. Je voulais tout d'abord évidemment remercier Giuseppe Bianco qui a organisé ce colloque. On avait eu l'idée d'organiser un colloque plus tôt dans l'année avec Camille Limoges à propos de la publication du volume 4 de King William. On n'a pas pu le faire et parce que je suis beaucoup moins dynamique que Giuseppe. Je regrette simplement la présence que Limoges ne puisse pas être avec nous puisqu'il a joué un rôle tout à fait central dans l'édition collective de ces œuvres complètes de King William. Alors, je suis d'autant plus heureux de remercier Giuseppe et que finalement, et c'est assez frappant quand on voit la salle aussi, c'est un passage de témoin à un public beaucoup plus jeune. C'est-à-dire qu'il y a bizarrement, il y a des gens qui ont plus ou moins connu King William, ils sont très très fatigués comme moi. Et puis, il y a des gens beaucoup plus jeunes. Et il y a effectivement un gap, il y a un trou générationnel dont à mon avis, les sociologues de la philosophie auraient sans doute beaucoup à dire. Et donc, je le remercie vraiment de reprendre le flambeau de ses travaux sur King William. Je le remercie aussi pour ce titre que je trouve tout à fait bien choisi, Les traces du métier. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a un autre passage qui m'a interpellé dans le volume, c'est la carrière, hein, les traces de la carrière. On pourrait peut-être aussi appeler ça comme ça et je vais essayer d'en parler brièvement. Alors, le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, ce serait la place de l'histoire des sciences dans la philosophie de George King William.
Je partirai d'abord d'un premier point. C'est évidemment qu'il y a depuis quelque temps la découverte de ce qu'on avait appelé dans un colloque à l'occasion de la sortie du premier volume, un nouveau Canguilhem. D'une certaine manière, il y a un changement très notable dans la perception de l'œuvre de Georges Canguilhem, en France comme à l'étranger. Je dirais qu'à l'étranger, surtout, et on l'a vu, on en a parlé avec Christian Kimisso récemment, ce que je pourrais appeler la standard view, la view BCF, un bachelor Canguilhem Foucault, c'est quelque chose qui commence à s'effondrer de toutes parts. Alors, même si j'y ai en partie contribué, mais je suis beaucoup. Tous les jeunes chercheurs se rendent bien compte que Bachelard, c'est pas pareil que Canguilhem, c'est pas pareil que Foucault, mais même s'il y a effectivement des points communs. Donc je pense que, en tout cas, la vision qu'on avait à l'étranger de Canguilhem, le maître de Foucault, c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a toute une série d'éditions dans tous les pays de Canguilhem en tant que tel et non plus seulement comme le maître de Foucault. D'autre part aussi, ce n'est plus vraiment un simple historien des sciences. C'est pour ça que j'ai appelé ça la place de l'histoire des sciences. Il me semble qu'on arrive bientôt à un moment où la question du métier d'historien des sciences de Canguilhem commence quelquefois à être quasiment discutée, ce qui me semble aussi excessif. Bon, c'est la fin aussi en France de ce que les plus anciens ont connu, c'est-à-dire le Canguilhem institutionnel, le Canguilhem tout puissant dans la Sorbonne, le CNRS, etc., l'université en général. Et je crois qu'il y a vraiment un nouveau Canguilhem qui apparaît pour deux raisons principales. D'abord, une raison qui est liée au travail d'édition de ces œuvres complètes, qui est un travail collectif, mais où l'on se rend compte qu'effectivement, il y a énormément de textes de Canguilhem bien avant le normal et le pathologique, ou dans les marges de tous les recueils connus, ou de tous les grands livres connus. Et ça, c'est un point qui, me semble-t-il, est tout à fait intéressant, même si ça a des effets quelquefois extrêmes, si je puis dire. Et d'autre part, grâce aussi à la découverte, l'invention, au sens que donnent les archéologues à ce terme, des archives du CAFES. C'est effectivement une expérience tout à fait exaltante. Je le sais pour voir beaucoup de jeunes collègues, chercheurs étrangers qui arrivent à Paris, qui sont totalement fascinés par cette découverte. Parce que dans les archives du CAFES, on voit ce qu'il y avait d'une certaine manière dans la tête de Georges Canguilhem, dans les livres, dans les travaux, etc. Et c'est une expérience, je trouve, assez fascinante. De ce point de vue-là, il faut remercier Nathalie Quéroux des archives du CAFES et la famille Canguilhem qui nous ont permis d'accéder à cela. Et puis, il faut remercier Canguilhem qui a tout organisé. C'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé là-bas savent que tout est prêt pour qu'on vienne faire des recherches sur l'œuvre de Canguilhem. Alors, de ce point de vue-là, c'est ça qui change la vision de Canguilhem, me semble-t-il. Pour ma part, je dirais que ce n'est pas ça qui m'a fait changer de vision sur l'œuvre de Canguilhem. C'est simplement le ton de Canguilhem. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a très longtemps, 25 ans à peu près, je l'ai entendu au sein de la Société des Amis de Jean Cavaillès prononcer sa conférence « Qu'est-ce qu'un philosophe en France aujourd'hui ?» Un ton extrêmement vibrant, pas du tout académique, pas du tout universitaire, très violent, très courroucé contre un philosophe qui a disparu depuis lors, mais c'était pas du tout un ton universitaire. Et donc c'est peut-être ce ton très particulier qui m'a fait me dire que c'était pas un historien des sciences comme les autres, c'était pas un universitaire comme les autres. Et lorsque j'ai relu ensuite qu'est-ce que la psychologie et le vivant et son milieu, etc., etc., je me suis rendu compte qu'il y avait quand même d'autres choses derrière Canguilhem que simplement le Canguilhem historien des sciences que l'on connaît. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller regarder effectivement ce qu'il y avait, ce que j'ai appelé le Canguilhem d'avant Canguilhem. Alors, il y a effectivement un changement de perspective radical de ce point de vue-là, qui est utile, qui est tout à fait novateur, mais qui peut aussi, quelquefois, conduire, à mon avis, à des interprétations excessives, ou, si vous voulez, on tord le bâton trop loin dans l'autre sens. J'en donne juste quelques exemples, et on pourra discuter de ça avec vous. Par exemple, le fait d'inscrire Canguilhem dans la philosophie française du XIXe siècle comporte des dangers non négligeables. C'est-à-dire faire de Canguilhem le successeur de Lagnot et d'Alain, c'est quelque chose qui est discutable. Est-ce que c'est un philosophe réflexif? Bon, un moment, mais peut-être pas toujours, à mon avis. Ou lorsqu'on dit que Canguilhem est un philosophe de la vie, comme Bergson, ça me semble tout à fait inexact aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut être tenté d'y aller. Voire même, on peut aller plus loin, et on peut même, c'est arrivé, faire de Canguilhem un quasi-métaphysicien. Par exemple, en partant des textes sur la création, sur la technique. Bon, j'ai fait soutenir une très bonne thèse à une étudiante italienne, Ilaria Venteruni, sur maladie et mal, qui était une interprétation quasi-métaphysique de la doctrine de Canguilhem. C'était pas mal, c'était intéressant, mais c'est peut-être aller un petit peu loin.
Même chose, mais je m'en étais expliqué plus récemment, sur la question de la bioéthique ou du soin. Est-ce que Canguilhem est un philosophe du soin? Ça me semble, je suis désolé pour certains que je connais ici et dont j'apprécie les travaux, ça me semble très discutable. Et Canguilhem, philosophe de la bioéthique, je ne signe pas du tout. Donc de ce point de vue-là, il ne faut pas, me semble-t-il, tordre le bâton en sens inverse. Et il me semble que la référence à l'histoire des sciences doit être préservée dans les lectures que l'on fait de Canguilhem, sinon on va perdre ce qui fait son originalité. Il me semble que la question de l'histoire des sciences est essentielle. Je dirais que l'histoire des sciences est une sorte d'antidote à la spiritualisation de Canguilhem ou à la métaphysisation de Canguilhem, si vous voulez. Alors, la question qui se pose, c'est effectivement la question, c'est le deuxième point que je voudrais aborder très rapidement, c'est la question du statut de l'histoire des sciences. Qu'est-ce que c'est, à quoi sert l'histoire des sciences chez Canguilhem? Quelle est sa place dans l'œuvre? C'est une question qui est tout à fait intéressante. Alors, de ce point de vue-là, dans la préface du quatrième tome, Camille Limoges fait une analyse de style lexicographique et de calcul des termes qui le conduit à dire que, d'une certaine manière, Canguilhem, avant 55, c'est-à-dire avant la thèse avec Bachelard, et après sa retraite, en 71, ne fait plus d'épistémologie. C'est-à-dire que l'épistémologie et l'histoire des sciences, ce serait un moment très... Alors, il y a des analyses très, très éclairantes, enfin, très étonnantes de Limoges, qui montrent qu'effectivement, là, le terme épistémologie historique, d'abord, est très peu employé, mais même le terme d'épistémologie ne fleurit qu'après la mort de Bachelard en 62. De 63 à 68, il y a une espèce d'excroissance de ces notions d'épistémologie, puis ça disparaît d'une certaine manière tout à fait après. Alors, il y a un autre point qu'on avait vu aussi dans le premier tome, c'est que, par exemple, les références à Bachelard sont très, très peu fréquentes. Elles se comptent sur les doigts de la main, et encore une petite main, avant la thèse de 55. Et donc, on pourrait dire à ce moment-là que peut-être, au fond, c'est un peu ce que laisse entendre Canguilhem, hein. Ce qu'on pourrait effectivement supposer, c'est que c'est un moment dans la carrière universitaire de Canguilhem. C'est-à-dire qu'en gros, Canguilhem est historien des sciences lorsqu'il est professeur d'histoire et de philosophie des sciences à la Sorbonne. Ouais, ça tombe bien que ce soit à ce moment-là. Alors, c'est vrai que de ce point de vue-là, je dirais que si même c'était le cas, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement gênant, puisqu'on retrouve dans ce quatrième volume, un texte très peu connu, une notice sur Erland, un professeur de Cagnes, où Canguilhem parle de la carrière. Qu'est-ce que c'est qu'une carrière? Et il dit, c'est tout à la fois une carrière, c'est aussi bien le support que le carcan d'une existence d'homme, et sans doute tantôt l'un, tantôt l'autre. Erland n'a jamais considéré sa profession comme un moyen de vie sans valeur intrinsèque, mais ne s'est jamais non plus totalement identifié à sa fonction. Donc, d'une certaine manière, le rapport que Canguilhem entretenait avec sa carrière, son métier, hein, c'est un rapport qui peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça a des contraintes, mais en même temps, c'est un support, d'une certaine manière. Donc, il y a cette idée, au fond, l'histoire des sciences, ce serait un moment dans la pensée de Canguilhem. Il me semble que ce n'est pas quand même... Aller un petit peu trop loin, alors même si, bon, du point de vue de la sociologie, des intellectuels, ça pourrait se défendre, hein, moyen. Mais du point de vue de l'interprétation de l'œuvre de Canguilhem, il me semble que c'est aller plus loin, et qu'il vaudrait mieux dire que l'histoire des sciences, c'est plutôt un détour stratégique pour des buts philosophiques. Alors je fais ici référence à une formule de Jacques Picmal, qui fut un des élèves de Canguilhem en terminale et ensuite qui travaillait avec lui en histoire de la médecine. Je cite ce passage, c'était dans le numéro de la revue de métaphysique et de morale, d'hommage à Canguilhem. Plus tard, dit-il, l'accent sera mis sur l'histoire et la philosophie des sciences. La continuité de la pensée de Canguilhem, à travers notamment le détour stratégique par l'histoire des sciences, n'avait rien d'une orthodoxie fermée. Cette continuité tient surtout, je pense, à la permanence, alors la phrase est un peu obscure, à la permanence d'un ensemble de caractères de la condition humaine par lesquels notre maître n'a cessé de rester intransigeant tout au long de son évolution doctrinale. Donc il y a l'idée qu'effectivement, c'est plutôt pour servir un certain nombre de caractères de la condition humaine que se fait ce détour stratégique par l'histoire des sciences. Alors c'est une idée qui me semble assez exacte. Bon, ça fait penser un petit peu, alors, d'une autre manière, au détour stratégique gigantesque d'Auguste Comte au XIXe siècle, qui fait de l'histoire des sciences pendant des milliers de pages, juste pour arriver à un but qui est un but politique, réorganiser la société.
10 volumes pour à peu près arriver à fonder la sociologie et réorganiser la société. Il ne s'agit pas, bien sûr, pour Canguilhem de réorganiser la société, mais il s'agit de poursuivre des buts philosophiques. Alors, cette idée serait confirmée par la citation retrouvée là aussi par Limoges dans le tome 4, qu'il cite au début. Canguilhem, interrogé en 1972 par une revue Tonus, revue médicale, dit « Je ne suis pas véritablement un historien des sciences. Je suis en fait un professeur de philosophie qui s'intéresse à un certain nombre de questions qui sont les rapports entre la philosophie et la science, et en particulier celles de la fabrication, de la naissance, de l'importation et de l'exportation d'un certain nombre de concepts interprétatifs de fonctions biologiques. » Donc, je ne suis pas un historien des sciences, je suis un professeur de philosophie qui s'intéresse au rapport entre biologie, à l'importation, l'exportation des concepts biologiques. Alors, il me semble, et c'est le troisième point dont je voudrais parler, qu'il y a effectivement chez Canguilhem une transformation de la définition de l'histoire des sciences. Je pense qu'effectivement, cette idée d'un détour est assez convaincante. Il me semble que ce qui met en mouvement Canguilhem, les motifs au sens propre du terme, les motifs de Canguilhem et ses buts finaux, hein, les motifs, on les voit dans le premier tome des œuvres complètes, les buts finaux, on le voit dans les articles sur la psychologie ou le réflexe, me semblent être effectivement des buts que je qualifierais d'éthique ou de politique. Et il me semble que les grands textes, les plus célèbres textes de Canguilhem sur l'histoire des sciences, sont des textes qui sont liés à des présupposés éthique ou politique. Alors, je l'ai déjà montré, je n'y reviendrai pas. Ça commence à être connu, mais par exemple, le fameux article sur le concept de milieu, ce n'est rien d'autre que la reprise en histoire des sciences d'une question, d'une critique radicale et virulente de la conception déterministe du milieu, la race, le milieu, le moment, contre Taine, dans le discours de distribution des prix de Charleville. Bon, j'ai ramené ici ce discours que m'avait donné Canguilhem à l'époque. Je pense qu'il y attachait une certaine importance. Même chose pour la psychologie. La critique historique de la psychologie qui est faite dans le fameux article « Qu'est-ce que la psychologie ?», c'est d'une certaine manière la reprise argumentée de l'article de Jeunesse où il reprend le texte d'Alain, lâche penseur qui traite les psychologues de maîtres de soumission, de flics déjà. Bon, les psychologues, c'est dommage que Mme Myrdal ne soit plus là, ce sont des flics avant, pendant et après. C'est-à-dire que de toute façon, pour Canguilhem, il n'y a rien à sauver. Simplement, les arguments qu'il va prendre dans la deuxième partie de son œuvre sont des arguments empruntés à l'histoire des sciences, l'histoire de la gestalt, l'histoire de l'éthologie, la psychanalyse, etc. Même chose pour le concept de réflexe. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre raison à faire une thèse sur le concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle pour Canguilhem que de réfuter la doctrine pavlovienne qui, dans ces années 40-50, est au cœur de la pensée marxiste, de l'explication marxiste de la pensée. Et Canguilhem, après avoir trouvé que ce concept de réflexe, enfin cette idée de réflexe était inacceptable, va montrer qu'elle est inexacte, que ça ne fonctionne pas dans l'histoire du concept de réflexe. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples. La question des normes aussi, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une critique du normal en 1943 parce que le normal, ce n'est pas faire ce que font la plupart des gens. Le normal, ce n'est pas ce qui est acceptable pour la plupart des gens. Mais par la suite, Canguilhem va développer sa critique à partir d'une critique de Quetelet, de la théorie de l'homme moyen, etc. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait aussi montrer que les buts de Canguilhem sont aussi, peuvent être politiques, et les lectures qu'on peut en faire peuvent être politiques. Je pense en particulier aux lectures des historiens de la biologie ou de la société. Par exemple, qu'est-ce d'autre que la biopolitique, je dirais, non métaphysique, c'est-à-dire pas une biopolitique heideggerienne, mais une biopolitique à la manière de Rabinov, d'Esposito, de Nicolas Rose, etc. C'est effectivement une histoire des sciences du vivant pour critiquer un certain type de médicalisation, de biologisation, etc. Alors, ce qui est très fascinant de ce point de vue-là dans la tentative de Canguilhem, et ce qui pour moi, à mon avis, est effectivement une sorte d'énigme, alors si énigme il y a, c'est cela, c'est qu'évidemment, ça tombe bien, c'est-à-dire ce qui était injuste s'avère être aussi faux.
problème, qu'est-ce qui se passerait si ce qui était injuste s'avérait être vrai? Bon, c'est ce qui me fait frémir quelquefois. C'est évidemment un passage très hasardeux. C'est-à-dire que ça tombe bien que, effectivement, l'histoire des sciences prouve que la psychologie, le réflexe, etc., soit tout à fait critiquable. Alors, simplement, c'est vrai que si Canguilhem a des buts éthiques et politiques, on se demande pourquoi il passe par l'histoire des sciences, pourquoi est-il passé pendant toute une partie de sa vie pendant l'histoire des sciences. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ce n'est pas seulement des raisons professionnelles, ce n'est pas seulement des raisons institutionnelles. D'abord, c'est évidemment l'intérêt pour des matières étrangères. Il me semble que l'intérêt pour l'histoire des sciences est la forme la plus visible de ce que Canguilhem appelle cet intérêt pour les matières étrangères. Il n'y a de bonne philosophie qu'à condition que l'on puisse s'intéresser à autre chose qu'à la philosophie. De ce point de vue-là, il me semble que l'histoire des sciences est pour lui le moyen de sortir justement de cette philosophie réflexive à la manière d'Alain, de cette philosophie qui ne s'intéresse pas au concret, au divers, au particulier. On cite souvent la phrase de Canguilhem à propos d'Alain qui dit « Alain ne se préoccupait pas de savoir si les statues grecques étaient peintes ou non. » Enfin, les statues grecques, pour lui, n'étaient pas peintes. C'est la preuve que Alain n'est pas curieux, que Alain n'est pas attentif à la diversité. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est l'histoire des sciences qui est cette instance de la diversité dans l'œuvre de Canguilhem. On sort ainsi d'une réflexion qui n'a affaire qu'à elle-même. Je dirais que ce que dit Ian Hacking dans un interview récent qu'il a donné à Matteo Vangeli, la définition de la philosophie pour Hacking me semble être aussi la définition qu'il pourrait donner par Canguilhem. Hacking, parlant d'un film érotique soft suédois, dit, recevant un prix à l'Académie de Suède, il dit « Je suis curieux ». Le film qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais jeune, c'est « Je suis curieuse ». Je suis curieuse. Bon, c'est ça la philosophie. Et d'une certaine manière, Canguilhem aussi, il est curieux. C'est ce qui me semble important. Alors, d'autant plus que cette question de la diversité, de la curiosité, va de pair avec une question politique. C'est-à-dire que ce qu'il reproche à Alain, c'est d'avoir continué à faire de la morale, au sens le plus plat du terme, alors qu'il s'agissait à un moment donné d'éthique et de politique, d'analyse concrète des situations concrètes, voire la place qu'on voit dans le premier volume de Trentin, de l'analyse politique de la situation. En 1939, la situation, ce n'est pas juste une question guerre contre paix, c'est une situation... tel type d'idéologie anti-humaine à proprement parler et tel autre type de choix social. Alors, il me semble aussi qu'une des raisons qui fait que Canguilhem s'intéresse à l'histoire des sciences, c'est que les sciences aussi transforment la société. Et effectivement, souvent, il commence ses articles sur le milieu, sur le réflexe, sur la psychologie, en disant c'est devenu une notion populaire. Venir de tel ou tel milieu, avoir des réflexes agiles, etc. Et c'est le caractère populaire, si je puis dire, des sciences, qui est important. Alors, je vais ensuite dire... Alors, donc, de ce point de vue-là, simplement, il faut bien comprendre que l'histoire des sciences, que fait Canguilhem, n'a pas le sens qu'on attribue en général à l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est pas simplement répéter les sciences, ce n'est pas une histoire des sciences neutre, objective, professionnelle, c'est une histoire des sciences qui se présente elle-même comme critique. Alors, là aussi, dans le volume 4, on trouve un texte assez explicite, où il dit « Par comparaison avec les fonctions spécialisées comme la science ou la technique, la philosophie apparaît alors non pas comme un redoublement, dont on devrait alors se demander quel peut être en être l'intérêt ou l'importance, mais comme un examen critique et une assignation de valeur. » Il s'agit de juger les sciences, non pas de les répéter. Sinon, ça ne présente aucun intérêt. C'est un doublé inutile, c'est une épistémologie imaginaire, etc. Et de ce point de vue-là, l'omniprésence de la métaphore du tribunal dans les présentations que Canguilhem donne de l'histoire des sciences est évidemment tout à fait essentielle. On sait que Bachelard insiste sur la fonction de l'école. Canguilhem, lui, insiste sur la fonction du tribunal. Alors, évidemment, cette vision de l'histoire des sciences choque les historiens des sciences contemporains et professionnels. Je vais citer un de mes collègues, Jean Gaillon, dans un article de 2005, qui explique que, et bon, pour lui, ce n'est pas du tout élogieux, la position de Canguilhem et de l'épistémologie historique repose sur le postulat qu'il y a une distinction radicale entre l'activité philosophique et l'activité scientifique.
le philosophe a un regard critique de l'extérieur sur la chose biologique. Il n'est pas embarqué dans le bateau scientifique. Bon, ça lui évite de couler. Ce qui d'ailleurs met le philosophe dans une position étrange. D'un côté, il est à la remorque d'événements qui se sont passés dans la science. De l'autre, il surplombe ces événements. Et il parle ici de ce qu'il appelle une tradition européenne qui a des positions très fortes reliées à une représentation très française du philosophe vu comme un intellectuel engagé au service du peuple plutôt que de sa discipline. Effectivement, c'est une bonne question. En 43, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, qu'est-ce que, d'une certaine manière, cette nouvelle définition de l'histoire des sciences, il me semble que c'est l'appellation d'épistémologie historique qui permet de la noter, hein, de l'indiquer d'une certaine manière. Alors je dirais de ce point de vue-là que cette notion d'épistémologie historique, historical epistemology aujourd'hui, c'est pas simplement une marque, contrairement à ce que dit Ishingra dans un article très malin, c'est pas juste du branding, c'est pas juste une marque, c'est une marque qui fonctionne. Et si une marque fonctionne, c'est que ça correspond d'une certaine manière à un certain besoin ou une certaine demande. Et il y a effectivement une persistance de cette épistémologie historique. Bon, le terme apparaît en 1905 chez Abel Ray, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très lancé, que ce soit à Berlin, au Max Planck ou ailleurs aux États-Unis. Il y a beaucoup de jeunes chercheurs, j'en vois un certain nombre parmi vous, qui travaillent ici sur ces questions. Il me semble que cette épistémologie historique, c'est effectivement une histoire des sciences toujours critique. C'est une histoire des sciences qui est toujours présentiste en un certain sens, puisqu'effectivement, les questions dont on parle le plus, médicalisation, biotechnologie, normalisation, etc., sont des questions qui sont liées à des préoccupations, effectivement, politiques actuelles. Alors, cette idée présentiste politique de l'histoire des sciences, on la trouve chez Comte, on la trouve chez Abel Ray, on la trouve chez Foucault, bien sûr, c'est tout à fait évident. Simplement, ce qui fait l'originalité de l'épistémologie historique et de l'œuvre de Canguilhem, c'est qu'il y a le maintien d'un niveau qui serait celui de la norme ou de la vérité. Bon, question qui se pose. Ce ne sont pas des sciences, des STS, ce n'est pas de la sociologie des sciences. Derrière ces questions historiques et politiques, il y a aussi une question d'évolution ou de réflexion sur la fabrication de la vérité et sur le caractère néanmoins contraignant de cette vérité. Bon, par exemple, c'est ce que Fleck appelle l'harmonie des illusions. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi, au fond, pourquoi a-t-on mis si longtemps à retrouver l'inspiration propre de Canguilhem? Il me semble que c'est lié à plusieurs questions. D'abord, parce que cette éthique canguilhémienne, c'est une éthique qui ne parle pas, c'est une éthique discrète. Canguilhem n'en fait pas des tonnes. Bon, c'est pas un professeur de morale. Bon, on le voit à propos de Cavaillès. Jamais il ne parle de sa résistance, il parle de Cavaillès. Et il essaie d'en parler d'une manière logique, si je puis dire. Donc ça, c'est le premier aspect, la discrétion, pas de phrase. Mais c'est aussi parce que la notion à laquelle il fait référence pour présenter son éthique, si je puis dire, mais sans le dire, ce n'est pas la notion de liberté, c'est la notion de libération face aux infractions, face aux tentatives de brutalisation de l'homme. Alors c'est ce que l'on trouve là aussi dans le dernier tome sur lequel je me suis beaucoup appuyé, notamment dans les deux leçons sur l'expérience de la liberté qu'il prononce en 40 et en 41 au lycée, puis semble-t-il à l'université, ce sont des manuscrits qui sont rapportés par Camille Limoges. L'expérience de la liberté, dit Canguilhem, doit comporter essentiellement l'expérience des obstacles à la liberté. Elle ne peut être qu'une expérience de la libération. Libération et non pas liberté. C'est le mouvement de refus de la brutalisation, refus de la normalisation, etc. Et il me semble qu'effectivement, cette résistance sans phrase, c'est ce qui fait la grandeur de Canguilhem. Je vous remercie. D'abord, merci Giuseppe pour l'invitation à participer à cette table ronde qui nous donne l'occasion de se pencher sur les traces du métier de Canguilhem que nous sommes tous en train de découvrir ou de redécouvrir au fil des publications des œuvres complètes. Et je suis par ailleurs aussi très heureux de retrouver plusieurs collègues et amis de longue date. L'un des aspects peut-être les plus surprenants qui a déjà été évoqué par Jean-François du tome 4, c'est cette arrivée tardive de l'épistémologie, qu'on peut dire historique, ou de l'histoire des sciences chez Canguilhem, un point qui avait déjà été souligné par Camille Limoges dans des travaux antérieurs. On comprend mieux, toutefois, à la lecture de ces textes qui sont récemment republiés,
qu'à côté de ses activités d'historien et d'épistémologue, Canguilhem, avant tout, a été un professeur de philosophie. Il dira rarement qu'il était un philosophe, il va souvent préciser qu'il était un professeur de philosophie. Et dans ce contexte, il a développé, donc depuis les années 40, ce qu'il appelle lui-même une philosophie biologique. Ces deux constats sur l'épistémologie et l'histoire des sciences et la philosophie biologique ne peuvent pas manquer d'étonner tout lecteur des œuvres de Canguilhem, notamment parce qu'il est connu ici, comme ailleurs, à l'étranger, comme un chef de file de l'école de l'épistémologie historique, du style français en épistémologie. Or, à la lecture de ces textes, on voit qu'on a sans doute eu tort de lire l'ensemble de son œuvre au prisme de réflexion épistémologique. On ignorait aussi plus de la moitié de ses écrits. Et possiblement aussi, on a peut-être un peu trop forcé des rapprochements intellectuels entre Canguilhem et Bachelard, hein, des rapprochements pour lesquels Canguilhem s'est lui-même défendu d'avoir pratiqué. L'autre aspect, cette notion de philosophie biologique, dont je veux juste souligner un point, parce que j'imagine qu'on en entendra parler davantage dans la prochaine table ronde, est une expression qu'on retrouve aussi chez une collègue, en quelque sorte, intellectuelle de Canguilhem, Marjorie Green, une philosophe américaine de la biologie. Et c'est une expression qui est particulièrement intéressante parce qu'elle semble s'opposer, ou prendre en tout cas le contre-pied, des catégories mieux connues qui sont mentionnées par Canguilhem et surtout rejetées, notamment dans la connaissance de la vie, soit les concepts d'une biologie de philosophe, d'une biologie philosophique ou d'une philosophie biologique. Donc, toutes des catégories qui, pour Canguilhem, sont inacceptables. Par contre, l'acceptation philosophie biologique semble être la catégorie qui, selon lui, correspond le mieux à son métier de philosophe, dont l'objet par excellence est le vivant et ses fonctions et les concepts qui ont été créés pour l'étudier et l'analyser. Donc, je vais quand même me concentrer surtout sur les rapports entre histoire et épistémologie, prolonger un peu ce que Jean-François a dit dans son commentaire, et laisser de côté cette question de philosophie biologique. Donc, si on revient sur l'argument proposé par Camille Limoges, parce que c'est effectivement ce que je voudrais donc discuter plus en détail, c'est proposer peut-être une interprétation un peu moins forte que mon collègue de Montréal. Je vais vous rappeler brièvement l'argument proposé par Limoges, donc, qu'il formule en se basant sur des textes donc, très peu connus, sur des documents d'archives, et selon qui bon, l'arrivée de Canguilhem à la chaire d'histoire et de philosophie des sciences aurait en quelque sorte canalisé le développement d'une réflexion plus spécifiquement épistémologique chez Canguilhem à partir des années 50. Limoges nous dit qu'avant 1955, et je le cite, « personne, et au premier chef certainement pas Canguilhem lui-même, n'a eu l'idée de le désigner comme un historien des sciences. » Et Camille Limoges fait remarquer que l'année suivante, dès 1956, il y a une sorte d'avalanche de publications qui se déclenche à caractère historique. Donc, Camille a dressé toute la liste. Sauf que, d'après Camille Limoges, jusqu'à la publication de la thèse de 1955, rien ne laissait présager chez Canguilhem une telle abondance de publications en histoire des sciences. Comment, dès lors, expliquer un tel changement d'orientation? Et si on suit encore ici l'interprétation proposée par Camille Limoges, et je le cite à nouveau, le nouveau régime de recherche et de publication de Canguilhem serait, en quelque sorte, solidaire de l'exigeante conception qu'il se faisait des devoirs attachés à ses nouvelles fonctions dans sa chaire de la Sorbonne et à la direction de l'Institut d'histoire des sciences. Il se serait donc produit quelque chose comme un déplacement de la problématique et des centres d'intérêt chez Canguilhem, du moment que ce dernier aurait pris la direction de l'Institut, une fonction qui exigeait de lui, entre autres, des nouvelles responsabilités. Camille ira même jusqu'à dire que les préoccupations originaires de Canguilhem, donc sur la philosophie biologique, la philosophie des valeurs, furent tout autres qu'historiques ou même épistémologiques, et selon lui, qu'elles garderont jusqu'à la fin toute leur prégnance. Et toujours, selon Camille Limoges, si on suit encore son argument, cette interprétation trouverait une confirmation dans un document récemment exhumé, soit un bref entretien que Jean-François a mentionné tout à l'heure, un entretien que Canguilhem a accordé à François Proust en 72, donc un an après son départ à la retraite, et qui est apparu dans les pages de cette revue médicale Tonus, qui est assez peu consultée par les philosophes et les historiens. Donc, après avoir écouté Canguilhem tenter de lui expliquer en quoi consiste l'histoire des sciences, l'intervieweur lui demande « Mais
quel rapport cela a-t-il avec la philosophie? Et c'est là que Canguilhem répond ce que Jean-François nous a rapporté tout à l'heure, à savoir que Canguilhem ne se reconnaît pas véritablement comme un historien des sciences et qu'il suggère plutôt qu'il est un professeur de philosophie qui s'intéresse à des questions sur le rapport entre science et philosophie, et en particulier à la question de la fabrication, de la naissance, de l'importation et de l'exportation d'un certain nombre de concepts interprétatifs de fonctions biologiques. Dans la discussion, on pourra revenir sur les raisons pour lesquelles peut-être qu'il faut prendre cet article avec un grain de sel. Ce qui est important de retenir, sur le point sur lequel il faut insister, c'est que lorsque Canguilhem décrit à Proust ce en quoi consistent ses intérêts portant sur les rapports entre science et philosophie, on retrouve précisément la facture typique des travaux dits d'histoire des sciences ou d'épistémologie chez Canguilhem. Naissance, importation, exportation de concepts interprétatifs dans les sciences de la vie. On peut penser au concept de normal, de milieu, de cellule, de régulation, de vie, etc., etc. Donc, curieusement, cette méthode de travail qui consiste à examiner la naissance et le développement d'un concept scientifique, son exportation éventuelle hors du domaine d'origine, dans le tome 4, on voit toute une discussion sur le concept d'adaptation, ne figure pas dans la liste des différentes formes que l'histoire des sciences peut prendre. Hein, Canguilhem rapportait à Proust que l'histoire des sciences, qu'est-ce que c'est? Pour Canguilhem, ça pouvait être la critique d'un texte scientifique, la réédition d'un texte scientifique, une biographie raisonnée, la description des obstacles à la pensée scientifique. Tout cela, pour Canguilhem, est de l'histoire des sciences. Mais lorsqu'il précise, lui, son travail, on voit que ça ne cadre pas exactement avec toutes les choses que peut être l'histoire des sciences. Sauf qu'aux yeux de Camille Limoges, donc le milieu des années 50 semble bel et bien marquer une véritable rupture ou à tout le moins un tournant significatif dans les différents métiers qu'a exercé Canguilhem durant sa carrière de professeur de philosophie. Donc, et Camille Limoges souligne entre autres que la thèse de 1955 constitue, selon lui, je le cite, « un magnifique exemple d'histoire des sciences qui se trouve éclairée par une réflexivité épistémologique et qui constitue, et c'est l'expression de Camille Limoges, une sorte de discours de la méthode en histoire des sciences ». Donc, à ce point, et je crois que Jean-François a eu tout à fait raison de souligner cette question-là, se pose la question de savoir, quelle était la nature, au fond, de l'histoire des sciences qu'a pratiqué Canguilhem? Quel genre d'historien des sciences a-t-il été? Et en quoi la thèse sur le réflexe de 1955, au fond, serait si fondamentalement différente des travaux de Canguilhem sur la théorie cellulaire, le concept de normal, de milieu, ou encore le problème des régulations dans l'organisme? Et là, ici, l'idée, c'est simplement de préciser une intuition que j'ai eue en lisant ce volume. J'ai l'impression que Camille Limoges n'a pas suffisamment insisté sur la continuité qui relie les différents travaux de Canguilhem avant et après 1955 avec ce qu'il nomme lui-même ses préoccupations originaires. Hein, on pourrait déjà se demander si la thèse de 1955 doit vraiment être décrite comme un manuel d'histoire des sciences. Hein, dès la préface, on comprend que l'ouvrage est assujetti à une finalité clairement philosophique. Il s'agit non seulement de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne la formation du concept de réflexe, mais aussi de défendre le vitalisme et de s'interroger sur la liberté individuelle et de se demander, au fond, si l'homme est ou non réductible à une série d'actions réflexes. Hein, a priori, ces buts de portée éminemment normative ne sont pas ceux qu'un discours de la méthode en histoire des sciences prétendrait viser. Dans un article récent, Henning Schmidgen a récemment souligné aussi la facture extrêmement philosophique du concept du livre sur le réflexe, notamment en raison du jeu complexe des concepts que Canguilhem déploie. Donc, la façon dont un concept devient scientifique, notamment en s'exportant dans la culture populaire, comme l'a rappelé Jean-François. On pourrait aussi souligner l'absence de travail d'archives dans le travail de Canguilhem en général. Pour la thèse sur le réflexe, il a certes utilisé toutes les ressources disponibles à la fameuse bibliothèque de Strasbourg pour la rédaction de sa thèse, mais dans sa carrière, contrairement aux historiens des sciences de son époque, il a très peu consulté de fonds d'archives. Il s'appuie essentiellement donc sur le travail d'autres historiens scientifiques qui sont venus avant lui afin d'en donner une interprétation personnelle. Canguilhem précise en outre, dans la thèse de 55, qu'il n'entend pas seulement redresser des torts, mais dégager de son travail un enseignement pour l'histoire de la science et pour l'épistémologie. Il y a donc des leçons épistémologiques à tirer de cet exercice, dont le but n'est pas, au fond, de situer les acteurs dans leur contexte, de les comprendre dans leurs propres termes. Ce but est autre. Et il convient aussi peut-être de faire remarquer que l'importance accordée par Canguilhem aux appareils, aux instruments de mesure, pour mesurer le mouvement réflexe, dans la constitution même du concept, participe d'un intérêt beaucoup plus ancien de Canguilhem envers la technique,
et qui ont été énoncés dans des textes des années 30, sur lesquels Xavier, notamment, est revenu en détail. Donc, tout cela pour dire que le livre sur le réflexe apparaît comme un ouvrage de philosophie, d'une part, et qu'il a, entre autres, aussi approfondi des thématiques déjà rencontrées dans l'œuvre de Canguilhem, et d'autres thématiques qui viendront après qu'il ait quitté son poste d'historien, de directeur de l'Institut d'histoire des sciences. Par conséquent, Canguilhem, selon moi, ne développe pas dans cette œuvre, ni dans celles qui suivent, une méthodologie qui serait radicalement différente de ses autres travaux que Limoges considère comme relevant de la philosophie. Contre l'idée que les années 50 et le début de ses publications en histoire des sciences marquent une rupture, ce que je voudrais vous suggérer, c'est que tout cela est en continuité assez directe avec ce que Canguilhem faisait avant en tant que philosophe et qu'il continua de faire comme directeur d'un institut d'histoire des sciences. Les moyens institutionnels lui permettent, à partir de 55, de déployer cette activité historico-philosophique de manière plus large et plus libre. Et les célébrations, évidemment, sur Bernard, Darwin, Bachelard, vont lui offrir la possibilité de réfléchir à l'objet d'histoire des sciences. Donc, il demeure philosophe et il va transformer l'histoire des sciences, comme on le sait, et je le cite ici, et en faire l'une des fonctions de l'épistémologie philosophique. Et je crois que dans le tome 4, on peut retrouver plusieurs expressions de cet intérêt avant tout philosophique pour l'histoire des sciences. Et je vais juste prendre quelques exemples ici, qui montrent qu'au fond, sa vision de l'histoire des sciences en fait une activité liée, mais surtout subordonnée à la réflexion philosophique. Donc, dans le texte de 49 qui a été cité en introduction tout à l'heure sur le rôle de l'histoire des sciences dans la philosophie des sciences, qui s'appuie en gros sur les travaux d'Alexandre Coiré, Canguilhem va dire que, en fait, il s'intéresse beaucoup à l'importance pédagogique d'enseigner l'histoire des sciences, et il dit qu'elle doit être enseignée correctement aux élèves, et que cette histoire des sciences doit être scientifiquement co-élaborée, ce qui pour lui, et ce sera son expression, ne revient pas à prêcher le culte du fait, donc une expression qu'on retrouve ailleurs aussi. Pour Canguilhem, en politique comme en science, dit-il, le culte du fait est une barbarie. Donc, pour éviter de tomber dans ce travers, Canguilhem va dire que l'histoire des sciences que nous utilisons dans la philosophie des sciences doit conserver une valeur subordonnée. Donc, l'histoire des sciences doit être constituée scientifiquement pour ensuite être utilisée philosophiquement. Et l'histoire des sciences devra, dit-il, être sous-tendue par une philosophie des sciences. Un autre texte informatif sur les rapports entre l'histoire des sciences et la philosophie et sur la spécificité de l'histoire des sciences se retrouve à la fin du recueil. Et c'est là que se fait jour le caractère assez foncièrement philosophique de l'histoire des sciences tel que Canguilhem la voit. Il dira dans un entretien sur l'émergence de la physiologie comme science, le texte s'appelle « La physiologie devient une science », et je cite Canguilhem, que l'état de la neurologie à l'époque imposait cette découverte des réflexes. Et plus loin, je le cite encore, que le cas de la découverte des mouvements réflexes par Hall et Müller est un exemple du même ordre et aussi topique pour indiquer à quel point l'état de certaines questions et aussi la mise au point de certaines techniques fait que la découverte, je ne dis pas naît d'elle-même, mais s'impose à une sorte d'esprit objectif de la science elle-même. Donc, peu d'historiens des sciences, selon moi, voudraient faire une telle remarque. Dans sa réponse, enfin, à Badiou, concernant la place de l'histoire des sciences, à mettre du côté des sciences ou du côté de la philosophie, Canguilhem répond que l'histoire des sciences ne fait partie de rien. C'est un problème de destination pédagogique et de localisation universitaire. On voit ici déjà des remarques qu'on va retrouver dans le fameux article de 1968. Canguilhem reconnaît qu'en France, plus fréquemment qu'ailleurs, l'histoire des sciences a été écrite par des philosophes. Et il admet également, dans une certaine mesure, que l'histoire des sciences puisse être le fait du travail des scientifiques. Le rapport, finalement, entre philosophie et histoire des sciences est abordé de plein fouet par Badiou, qui lui demande, mais au fond, qu'y a-t-il de philosophique dans l'histoire des sciences? Et Canguilhem répond, sans vraiment ici développer sa pensée comme il le fera ailleurs, que ce qu'il y a de philosophique dans l'histoire des sciences tient à son rapport indirect à la science et non pas au fait qu'elle est directement histoire. Ce rapport indirect ici ne peut que nous remettre en mémoire l'argument de Canguilhem selon lequel l'histoire des sciences n'est pas une science car son objet est second, indirect, par rapport à cette dernière. L'objet de l'histoire des sciences, au fond, résulte d'un choix, d'un découpage qui permet de faire émerger un objet qui n'était pas donné là au départ. Mais ça, ce n'est pas un point qui est abordé comme tel dans l'article qu'on trouve dans le tome 4 et qui va plutôt être développé dans l'article de 1968. Canguilhem passe plutôt à l'argument suivant selon lequel la science est la recherche de la vérité qui s'est souvent fourvoyée dans son histoire. Et l'histoire de la science, selon Canguilhem,
qui rappelle ici Bachelard, va être une histoire valorisante et non pas seulement descriptive. Et puisqu'une histoire des sciences ne peut être strictement descriptive, je cite Canguilhem, puisqu'elle ne doit jamais être anecdotique, elle est toujours, à quelques degrés, philosophique. À mon sens, on retrouve ici certaines des préoccupations originaires de Canguilhem quant à la question des valeurs, toutefois déplacées dans le champ de la science et de son histoire. On retrouve également, énoncé de manière très claire, la thèse selon laquelle l'histoire des sciences est une entreprise fondamentalement philosophique. Et comme les textes ultérieurs vont le montrer, l'histoire des sciences chez Canguilhem va être une histoire philosophique des sciences. C'est ce que le tome 4 nous permet de dire, si jamais on en avait douté. Donc, que l'affirmation selon laquelle la formation du concept de réflexe soit un traité de méthode en histoire des sciences, à mon sens, n'est admissible que si l'on précise aussi de quel type d'histoire des sciences il s'agit. Or, lorsque cette précision quant au caractère philosophique de l'entreprise historique est prise en compte, on voit moins bien en quoi l'ouvrage marque un quelconque tournant dans la pensée de Canguilhem. Et pour conclure rapidement, c'est le temps, ma collègue, de me présenter. Je crois que cette analyse peut nous conduire à revoir certaines des thèses avancées dans la littérature, à savoir que Bachelard était philosophe et Canguilhem était historien. Hein, on a lu ça à plusieurs endroits. Tous deux étaient philosophes des sciences ou épistémologues. Leurs travaux d'histoire des sciences étaient fondamentalement motivés par des visées philosophiques et structurés par des concepts épistémologiques. Merci. First of all, my apologies for speaking in English. I've apologized very much since yesterday. I'll do it once again. And many, many thanks for inviting me here. It's really an honor to be in the same room with so many people whose work have been really important for my own work. And to have them all in one day is very good. I also follow instruction and try to focus on the recently published sources or unpublished sources. I've taken maybe a bit of a different approach from the other speakers in that my focus is very, very narrow here. I chose two sources, almost a few sentences, and I analyze only those. Not in any elaborate way, just a presentation, and in fact, I'll have more questions for you than solution. First of all, I'll find my paper. The sources I chose are both from the latest volume we have, very lucky us to have this new volume. And the first one is the review that Canguilhem wrote of the first volume of Tatton's History of Science. That's, I will call it source A. And the other one is Philosophy of Science, which comes in two ways. I think you were referring to that as well, which is the Alain Badiou interview. And there is the verbatim transcription, but there is also a version in a form of a complete article. So I will look at these two as these two sources. So source A, I've just chose a very little passage, which I give it to you in the original there. And what was interesting for me here, that Canguilhem distinguishes or laments that in the history of science, we talk about the distinction wasn't clear enough, but I'm not interested in the Tatton's history of science. I'm only interested here in what Canguilhem says. A sort of history of worldviews, a history of general, I say mentalities of Weltanschauungs, again, distinguished from a documented influences of a researcher on another within a clear subject area. So a much clearer, a much, historically more, I would say, sound approach Canguilhem is defending here. So this is source A. Source B, it does something, another distinction, which I like. So he distinguishes between general philosophy of science, which he says inevitably degenerates into banality, and actually here the example is Kant, versus epistemology as a regional study of a specific science based on the knowledge of its history.
This second one is very dense, of course. I use the word epistemology because it's so similar to the French epistemology. But of course, we know that in fact, in English, epistemology means quite, something quite different. Actually, means the opposite, the general theory of knowledge. But for today, every time I say epistemology, it's as if I would use the French word rather than the English one. Okay, for the source B here, I'll leave the quotations with you. So it's clear that in the Tatton review, Canguilhem makes an historiographical point. He distinguishes between a general history of ideas about the world and the history of specific scientific ideas or concepts that can be traced from one researcher to another. In source B, of course, this is a philosophical remark. Philosophy cannot reflect on these sciences as a general thing. It rather critically studies the principles, methods, and results of one science. So these two quotations seems to approach two different problems. But we all know that in historical epistemology, history and philosophy cannot be, or must not be, separated in that way. We all know very well that Canguilhem said epistemology has always been historical. I mean, the epistemologist, the philosopher of science, cannot do anything but observe the sciences, and the sciences are something that happens in history, and they have a history. So they have to observe something given already. And it's historical, and it's still, history of science still continues. As Braunschweig before him, and other philosophers, Canguilhem thought that Kant and made an error, thinking that Newtonian science was the definitive incarnation of science, and history of science had ended there. But in fact, history of science did not end there, and for Canguilhem, like for Bachelard, for all historical epistemologists, has not ended. Now, history of science continues, and so philosophy has to continue, because philosophy follows science in that way. But it's not only a matter of history that the history of science continues and so philosophy continues. It's also a matter of region. And I use the word region because Canguilhem does, of course, borrowing from Bachelard. Science, and I say, which is the same as knowledge, but I won't go again on this because we... there's already been mentioned that science and knowledge for, and in your introduction as well, I think, science and knowledge for Canguilhem, he says it's a pleonasm, is basically the same thing. It's like true knowledge. It doesn't just have a history, it has different regions, and we go back to the fact that you have to look at a science and not all sciences in general as a block. And in fact, in source B, Canguilhem says the concept of science is not unambiguous. If you ask what's science, well, the science is something that exists in the world, but he offers example of mathematics and animal physiology. We will be very pressed to say that these two sciences have the same object, or exactly the same methods and the same results. So it defends both a historical approach and a regional approach. So, but if this is the truth, this is the parallel. Just as general philosophy of science degenerates into banality, so a general history of ideas fails to grasp both the history and the epistemological status of a science, because we cannot really separate historical precision, if you wish, and philosophical precisions. But if this is true, so what does what's the object of the historian philosopher of science? So if
Kang Yam here says, the philosopher of science cannot study the science as a whole. He cannot abstract from the history that the sciences have. What does it do? It's not, I would say, a Weltanschauung, it's not a mentality. It does not include all the science as a whole. Kang Yam says it is a historical and regional analysis of one science, or even less, so the focus can be even narrower than that. So these things I've said, the region and even the word is borrowed from Bachelard. So is that, is here Kang Yam just reproposing what Bachelard had already discussed, in fact, at length? I think not. I think it's something, if nothing else, further. But arguably, and here I would love to have your view as well, I think it's a bit of a different direction from Bachelard. I mean, although, of course, without doubt, Bachelard regarded specific sciences as displaying their own particular use of and development of rationalism, at the same time, he also talked about the scientific mind as something general. Rationalism has got, of course, its region, but the scientific mind needs to overcome the same obstacles in a way, in the same way. I find it helpful as a way of contrasting the two. I'm taking the example from the introduction in the book, in the fourth volume, by Camille Limoges, already cited by people that preceded me. The difference between la formation du concept de reflex and la formation de l'esprit scientifique. Of course, the titles are similar, and as we know, Kang Yam dedicated his formation, la formation de concept de reflex, to Bachelard. So it seems a double similarity, right? But if we look, not even, in fact, that close, we have on the one hand, we have la formation de l'esprit scientifique is really a study of the mind, of the scientific mind, as pre-scientific, as a general object. And also here, as you know, Bachelard develops the concept of scientific obstacles. And this scientific obstacle may happen in different times, in different ways, but scientific obstacles themselves are always the same because our mind, no rational part of the mind is always the same. So in a way, the movement of science is similar, although then the technical part and the specificity will be different. But it's a very general study and of these obstacles in the, so it studies the mind a bit more generally. The focus in Kang Yam's La Formation is really extremely narrower. It's not even a science, it's a single concept. So it seems to me that this is a strong departure from what I would call the history of mentality. Bachelard already a bit departed from that, not so much. I would contend in La Formation de l'Esprit Scientifique. It departs, I think, a bit more in later books. But in Kang Yam, it seems to me that departure of taking the mentality as a general thing has really gone. Has really overcome that to focus on more specific idea. And that's controversial even today, he analyzed the concept of reflex in a way independently, not just of mentality, but independently of the theories in which the concept has emerged. And this is, I think, quite a different with, certainly with Bachelard, but even nowadays, conference people ask me, do you really think this is possible? It's still controversial what is done. But is, you see, it's a move very far from a generalist of mentality. So I think this move has many aspects. I think it shows, of course, Kang Yam, the philosopher, who's in
impatient with positivistic philosophy, and that type of philosophy that of science that is done without engaging with specific issues, concepts, and events in the real history of science, rather than the philosophical rendition of what history of science is. But it also shows that, as stressed in my second source, that the general history of ideas for him is highly unsatisfactory, a highly unsatisfactory way of doing history of science. And so far, so good. There is nothing maybe incredibly different. But this just shows sophistication in his historical epistemological approach. But I think Nguyen goes further, precisely in what I was saying, in considering concept as independent of the attitudes and theories, as Thomas Willis' concept of reflex, that is, in a way, evaluated. And evaluated, when I say not analyzed, but the value of this concept, in a way, is independent of the theories in which it's in. This focus on concept, I think, is shows, and I'm quite going to the conclusion. A refusal, of course, of the general, what he called banal approach to science. He also shows a more liberal approach to the object of historical epistemology than Bachelard, and the very few of you who were yesterday at another seminars talked about that a bit more. It seems to me that what would have been excluded for Bachelard, for example, from the history of science, the concept of reflex I just mentioned, seems to be still part of history of science for Nguyen. But there is also the problem of the distinctiveness of the life science and medicine. Of course, there is not much has been mentioned, but there is no time here to discuss this in detail. But for me, unlike Bachelard's scientific object, model on physics and chemistry, Nguyen's models on physiology and medicine is never really rationalized and purified. The object of the life science will never be as pure and rectified as the object of physics and chemistry. And this is a quote I like very much. When is there in French? I say it in English. When he says the living creatures does not live among laws, but among creatures and events which vary these laws. What holds up the bird in the branch? What holds up the bird is the branch and not the laws of elasticity. Because the qualified living beings lives in a world of qualified objects, he lives in a world of possible accidents. Nothing happens by chance, everything happens in the form of events. So, but this is the life sciences, but of course the object of medicine is even more unstable, is even less pure, because it's pain and angst of the suffering individual, which is crucial for medicine, is not a scientific, an epistemological obstacle, like for Bachelard. Pain and angst are not rational, right? Actually, they are a very important part of this object. You cannot cut away the pain and angst from the object of medicine. So for me, there is a parallel way here. Just as the object of the doctor and the life scientist is not as pure, as rectified, as that of physics and chemistry, so the object of the historian and philosopher of the life sciences, as Nguyen was, cannot be completely rectified and purified. So something that could have been eliminated maybe in physics and chemistry cannot really be eliminated in the history of the life sciences and the history of medicine. So I would like to conclude here, not with a conclusion, as one maybe should do, but with questions. Here seems to me, of course, that these two short quotations I use from source, what I call source A and source B, taken from relatively minor works by Nguyen,
in fact, well illustrate a number of crucial issues. Actually, so many, I think, are so crucial that I couldn't possibly have disentangled them here. And I would like to mention one, which is maybe obvious, but I think still very difficult for us. Kongiem calls for focus, precision, and depth, both in history and philosophy. You know, no general history of the sciences, not this general history of the science, and not this general philosophy of science. It has to be all precise and focused. Of course, epistemology in the French sense and the historical epistemology sense needs both history and philosophy. So my question is this the same achievable? And for example, for me, one of the glorious moments of the effort of integration of an I think the first effort of try to integrate history and philosophy of science, it was done in this city in the interwar period with the Institute of History of Science and Philosophy. Even in the syllabi, it seems that there was this strong drive to try to combine the two, which continues. But tensions were there as well. Difficulties were there, and difficulties there are nowadays. Quote here Helen Metzger, because she was there at the time and because she's a favorite historian and philosopher of science of mine. And when she commented on Comte, but also on Bachelard and Meyerson, she was saying in her letters and in her reviews, yes, this is all very good with these philosophers. They just don't use history in a self-serving way. They just pick the examples good for them. And then that serves their theories. For her, history is something much more focused, as Atoli Kangiyam says we should do. And today, just to conclude, we still have historical epistemologies, as Jean-François was mentioning, the modern version from Hacking to Dustin to Reinberger. They try to integrate in a different ways as historical, I think more historical enterprise, and still, I think there are tension there and great difficulties. And of course, there is, as you know, this project with conferences and of the integrated HPS, the integrated Eastern philosophy of science. But still, we don't seem to manage. So, is this only an idea? Ideas can be good, or can we? My question is, can we really achieve this? What Kangiyam was saying in these two sources I chose. Thank you. Thank you.